Le centre de marque Ropenaz Hostel Outlet est un village de marque ouvert depuis maintenant 5 ans, puisque nous venons de fêter le 5e anniversaire en avril dernier. Par village de marque, on entend à la fois deux choses. Tout d'abord, le concept d'outlet, ce qui veut que l'ensemble des boutiques proposent sur site des produits à prix réduit toute l'année, avec une remise minimum de 30%. Et par le terme de village, le fait qu'au-delà d'un outlet traditionnel, on présente une architecture directement inspirée de l'architecture alsacienne, qu'on présente une ambiance de village où on retrouve les places, les fontaines, les bâtiments qui font que notre clientèle se sent finalement un peu comme chez elle, dans son propre village, et qu'il fait bon ici se promener, faire du shopping, souvent en famille. On est sur un centre de marque qui fonctionne très bien, puisque les chiffres de 2017 sur le début d'année sont très bons, après l'année 2016 qui avait été marquée par une croissance de 16% du trafic et de 18% du chiffre d'affaires. Le centre à aujourd'hui couvre finalement l'ensemble des secteurs d'activité. On a évidemment des marques sport, des marques fashion, que ce soit hommes, femmes ou enfants. On retrouve aussi du linge de maison, des produits accessoires comme de la bijouterie, des montres ou encore des produits de beauté. À noter d'ailleurs au rang des dernières ouvertures les Galeries Lafayette qui ont ouvert hier, premier jour des soldes, sur le centre de marque, une boutique sur une surface d'un peu moins de 700 mètres carrés et qui devrait permettre de compléter l'offre du centre qui est aujourd'hui sur un créneau premium. Donc c'est vrai qu'à aujourd'hui on a un centre qui est spécifique aussi par sa localisation géographique, puisqu'on est situé à la frontière franco-allemande à 200 mètres du Rhin, ce qui permet de profiter à la fois des moments forts de consommation français tels que sont les soldes, mais aussi de toutes les périodes, notamment de vacances allemandes, puisque notre clientèle allemande représente environ 40% de la fréquentation du centre, fréquentation qui a atteint l'an dernier presque 1 800 000 visiteurs et qui les dépassera certainement cette année.